Suas palavras doces não vão me iludir, não. Não é assim que tu vais me convencer, porque eu sei que és homem de outras mulheres. Mas se eu ficar contigo é porque sei onde piso, porque aqui no meu coração eu estou a sentir. Lâchez-vous en direct avec Dany et toute son équipe. Comment elle est, Leslie? Ça va, vous allez bien? Allô, allô? Elle est là, et oui, ah, bah, elle est là. Moi, elle est là, moi, elle est là. Moi, elle est là. Ah, elle est là, elle est là, elle est là. Bon, bah, oui. Là, doucement, doucement. Alors, en direct sur la radio également, sur la télé. Bonsoir tout le monde. Merci François pour le direct également sur la radio. Salut la tout télé. Le monde. Voilà. Bon, alors, trêve de plaisanterie. Leslie vous fait quand même assistant de direction ce soir. Siouzi. Siouzi. Ah, bah écoute, Siouzi, bah. C'est bien ça. C'est bien. On salue quand même Nawel sur la page Instagram. Salut Nawel, que les devant sa télé également. Merci. Salut Nawel. Nawel également. Bon, le programme de ce soir, Leslie, qu'est-ce qu'on a de prévu? Oui. Ote, ben, ah oui, dis-moi ça. Qu'est-ce qu'on a prévu? Comment elle dit, c'est Papoudat. Vous connaissez la chanson? Voilà. Voilà. Donc, oui. Il y aura Alain Cavé dans un instant avec Duff en interview. Et Duff en interview, ça sera tout à l'heure, donc aux alentours de 20h40 également. Et puis, donc, il y aura la rubrique Tropical Girl avec vous-même d'ailleurs. Ah, bah oui, hein. Et, comme toujours, hein. Qu'est-ce que ça causait à soir? Ben, mais ça causait un petit peu la fête des pères, tu vois. La fête des pères alors. Bon, bah écoute, oui. Si c'est ça, c'est bien. Les papas à l'honneur en ce mois de juin. D'accord. Et d'ailleurs, donc ça se passe, Nina, aussi une soirée donc spéciale fête des pères, Leslie. Ah oui, bien sûr, soirée à ne pas rater qui aura lieu le samedi 18 juin à la discothèque Les Roches Noires. Donc ce sera évidemment en l'honneur de la fête des pères. Et au programme, eh bien, il y aura cocktail, show sexy, attention à vos yeux, messieurs, spectacle et évidemment aussi une loterie. Voilà. D'accord. Bon, bah tout ça, alors, où sera ou pas, Leslie? Ah non, moi, il ne gagnera pas. Et puis, il y aura un show sexy, voix. Donc, laisse les bonhommes profiter, voix. D'accord. Peut-être Mathieu, on ne sait jamais. Hein. Ouais, voilà, on ne sait jamais. Ah, bon, quand même. Bon, en tout cas, très, très rapidement, parce que la rubrique Tropical Girl, bah, de suite, hein, avec Leslie, nous balançons la rubrique du coup, mon Tati Bébête pour voler devant moi. Hein. Ah, quel est bon, c'est parti. Tropical Girl, votre rendez-vous 100% girly, 0% chichi. Des conseils, des astuces et informations avec une nana d'enfer aux commandes. Tropical Girl, plus qu'une rubrique, c'est la vôtre. Oui, salut les girls, toujours présente pour vous, voilà, en cette émission. Moi, elle est contente d'être exote, hein, et avec Dany aussi, hein, évidemment. Oui, de temps en temps, il faut bien que Mélé est là, quoi.
Ouais, voilà. Il faut bien aussi avoir un affaire, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Oui. En plus, c'est bientôt la fête des pères. Ou ça parle de quoi ce soir, la fête des pères? De la fête des pères, voilà. Les papas à l'honneur en ce mois de juin. Donc, comme je disais il y a quelques minutes. Donc, j'ai décidé en fait de parler de la fête des pères parce qu'en fait, il faut savoir que il y a des dates différentes en fonction. Bah, c'est comme la fête des mères, hein, au final. C'est fêté à des dates différentes en fonction des pays. Voilà. Donc, chaque pays. Bon, certains pays ont la même date, hein, mais je veux dire, c'est pas dans tous les pays du monde pareil, en fait. Et donc, en fait, bah, nous, on le sait, cette année, en France, la fête des pères bah, tombera le 19 juin. Donc, bah, certaines familles vont organiser des fêtes, barbecue, je sais pas. Il y en a plein qui font ça, hein, puis qui se remémorent un petit peu les souvenirs, les chouettes souvenirs du passé. Mais voilà, cette journée spéciale n'est pas la même partout dans le monde. Et que ce soit au niveau date ou en termes de tradition également, c'est pas forcément la même chose. Donc, par exemple, aux États-Unis, eh bien, la toute première fête des pères nationale aux États-Unis a été célébrée le 19 juin 1910 dans l'État de Washington, donc sans être encore complètement officielle. Hein. Donc, cette journée, elle a été initiée en fait par Sonora Dodd, donc, qui souhaitait établir un jour qui était équivalent à celui de la fête des mères, donc pour tous les pères du pays. Et après avoir sollicité donc le soutien des commerces locaux, des églises, du YMCA et du gouvernement, eh bien la première grande célébration a eu lieu en 1910. Et au fil des années, eh bien de nombreux changements sont intervenus. Et à un moment donné, eh bien beaucoup ont plaidé pour la création d'une seule et unique fête, c'est-à-dire la fête des parents. Mais bon, après il y a eu la Grande Dépression, etc. Et les commerçants ont commencé, eh bien, à annoncer la fête des pères comme un de Noël entre guillemets, donc pour les hommes ayant des enfants. Donc ils vendaient un peu de tout, des pipes et du tabac au club de golf et autres, etc. Et ce n'est qu'en 1972, donc 58 ans après l'officialisation de la fête des mères, que les pères est devenu une fête nationale. Et aujourd'hui aux États-Unis, eh bien la fête des pères est célébrée, il faut le savoir, le troisième dimanche de juin, donc comme la France, comme en France. Et puis nous avons aussi l'Allemagne. Donc aux États-Unis, ça se dit Father's Day. En Allemagne, ça se dit Vatertag. Donc mon accent va être super chouette ce soir pour tous ces mots dans des langages différents, dans des langues différentes. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, on fait du mieux qu'on peut. Donc en Allemagne, les pères donc bénéficient eux, par contre, d'un jour de congé pour boire de la bière. Voilà. À consommer avec modération, hein. Voilà, toujours. Et puis, bah, pour assumer peu ou pas du tout bah, de responsabilité, pardon. Donc, comme je vous le disais, ce jour est connu sous le nom de Vatertag ou Männertag aussi, on le dit. Et c'est ce jour de fête donc pour les hommes a lieu le 40e jour après Pâques. Et ça a lieu toujours un jeudi. Donc, ça tombe toujours un jeudi du mois de mai, en fait. Et cette année, ce jour est tombé le 26 mai. Comme le vendredi suivant, suivant le Vatertag, c'est généralement un Brückentag, donc c'est-à-dire le jour où on fait le pont, ouais, un peu comme en France, où un jour où on fait le pont, bah, ça donne au papa, en fait, un week-end de 4 jours. Donc, c'est plutôt sympa. Oui. Et en fait, il faut savoir que le jour férié, eh bien, il a commencé au Moyen-Âge comme une cérémonie un peu religieuse, en fait, en l'honneur de Gott, den Vater, donc c'est-à-dire Dieu le Père. Donc, ce n'est qu'à partir des années 1700 que le jour s'est transformé en Vatertag, une journée familiale qui honore voilà, tous les papas de chaque foyer. Et évidemment, le père qui avait le plus d'enfants donc à l'époque dans le village recevait une récompense. Donc, tu te doutes bien de ce qu'était la récompense. Non, je ne connais pas. Un bon gros jambon. Ah. Et donc, le Vatertag, il a disparu pendant un certain temps, mais il a fait son grand retour au 19e siècle, donc sous le nom de Männertag, devenant ainsi la journée des garçons, la journée des hommes. Voilà. Au Brésil. Donc là, je ne sais pas si je vais réussir à prononcer, par contre, comment ça se dit. Je crois que ça se dit Dia do Pais. Dia do Pais.
je crois. Je sais un pas. Truc dans le genre. Mais quand il passait quoi ? Un truc dans le genre. Voilà. Bah, c'est le jour de la fête des pères. Donc, au Brésil, la fête des pères tombe deuxième dimanche d'août. Et cette année, eh bien, il s'agira du 14 août. Mais il y a une grande différence. Et cette journée, Et oui, il y a une très grande différence entre chaque pays. C'est pour ça que je te dis, c'était assez intéressant d'aller chercher ça. Et donc, cette journée qui est connue sous le nom de Dia do Pais, eh bien, elle a vu le jour au milieu des années 1950. Et l'idée, en fait, était d'honorer Saint Joachim, donc le patron des pères et des grands-pères. Et comme en France, eh bien, les enfants achètent souvent un cadeau à leur père ou le fabriquent, hein, tu sais, à l'école, comme on le fait nous. Hein. Et certaines écoles mettent également en place des concerts ou des cérémonies spéciales auxquelles les familles peuvent se rendre. Et un grand déjeuner est souvent aussi préparé. Et comme la fête des pères tombe un dimanche, ce n'est pas un jour férié. Et les pères ne bénéficiaient pas non plus de jours de congé. Et la plupart des commerces suivent également les horaires habituels. Hein, voilà, un peu comme la France. En Thaïlande. Bon, je crois que je vais me ridiculiser ce soir avec les Qu'est-ce qu'il y a en Thaïlande? Avec les accents nuls que j'ai. La fête des pères, ça se dit One Por. Je crois, un truc dans le genre. Et ça promet, hein. Ah oui. Et du coup, elle se démarque par le fait qu'elle est célébrée le 5 décembre. Voilà. Donc tu vois, là aussi, c'est pareil. C'est pas du tout à la même période de l'année qu'en France. Et ce jour va commémorer en fait le roi. Alors là, ça va être le summum du summum de l'accent. Bhumibol Adulyadej, voilà, le plus ancien monarque du pays. Et donc, le 5 décembre, eh bien, il s'agit d'un jour férié qui est officiel et qui représente l'anniversaire du roi et également la fête des pères. Donc, en fait, là-bas, on va dire que le roi, il est considéré par beaucoup comme le père symbolique en fait de la Thaïlande, et les Thaïlandais rendent hommage à leur père et leur grand-père ce jour-là en leur offrant souvent une fleur de canna ou alors une fleur qui ressemble à un lys, voilà. Et des célébrations nationales bien sûr ont lieu en l'honneur du roi, donc de nombreux Thaïlandais campent la nuit précédente, souvent vêtus de jaune apparemment. Et cette couleur représente le lundi, c'est-à-dire le jour de la naissance du roi en 1927. Et il y a aussi des activités donc, qui sont organisées dans tout le pays. Les transports en commun à Bangkok vont permettre au papa de voyager gratuitement, etc., s'ils sont accompagnés de leurs enfants. Donc c'est plutôt sympa. Et enfin, au Costa Rica, ça s'appelle la Dia del Padre. Je ne sais pas si j'ai bien dit, mais bref, on va se contenter de ça. Donc, au Costa Rica, le pays célèbre la fête des pères le troisième dimanche de juin, donc tout comme les Français et les Américains, comme on a pu le voir plus haut. Et les Costariciens, en fait, ils célèbrent les pères vivants et décédés, ainsi que les mères célibataires qui remplissent les deux rôles. Et il n'y a pas de tradition particulière dans ce pays, si ce n'est que le temps passé ensemble en famille, en fait. Et il est arrivé aussi une fois, ou peut-être plusieurs fois, mais en tout cas en 2018, il est arrivé que la fête des pères partage, on va dire, les feux des projecteurs avec la Coupe du Monde. Donc comme en 2018, par exemple, où le Costa Rica jouait contre la Serbie et de nombreux pères, évidemment, ont passé la journée à regarder le match. Voilà. Il comprend mieux. Donc, de nombreux Donc de nombreux pays célèbrent la fête des pères le troisième dimanche de juin. Donc à l'instar de la France, des États-Unis et du Costa Rica. Et cela inclut également plusieurs autres pays d'Amérique latine, notamment l'Argentine, le Pérou et la Colombie, par exemple. Voilà. C'était pour la petite info. Petite info du jour. Du jour. Ouais, petite D'accord. info du jour. Ok, ça c'est bien. Ça c'est noté, mais on a appris des choses quand même ce soir. On apprend toujours des choses. Dans ta rubrique. C'est l'avantage. Je sais pas. Pas forcément que dans la mienne. Je pense que dans toutes les rubriques, on apprend des choses. Hein. Oui. C'est le but aussi. Hein.
C'est le but. C'est bon, t'as fini la rubrique ou pas? Ah mais oui, mais ça y est, on m'a dit rubrique express 10 minutes. Voilà, ça fait 10 minutes. Bah ou dis pas, il a fini. Allez, c'est parti. C'est parti pour le lancement de jingle. Tropical Girl, votre rendez-vous 100% girly, 0% chichi. Des conseils, des astuces et informations avec une nana d'enfer aux commandes. Tropical Girl, plus qu'une rubrique, c'est la vôtre. Tropical Night avec en invité Alan Cavé et Doff. Lâchez-vous en direct avec Dany et toute son équipe. Allez, de retour sur Créole FM ce soir et Télé Créole également. On salue quand même sur la page Instagram Émilie. Émilie, comment il est Émilie du côté de la page Instagram? Coucou Émilie. Voilà, donc il y a des personnes qui sont connectées également sur la page Facebook de Télé Créole également, sur la page de Créole FM également. On rappelle quand même les numéros, Leslie, pour ce soir et un petit rendez-vous jeu également. Alors tout à fait. Les numéros, eh bien, si vous voulez nous appeler pour passer votre petit message, poser vos questions à nos invités ou tout simplement discuter avec nous et avec nos invités, eh bien, il vous suffit de nous appeler au standard au 06 93 488 996, 06 93 488 996, ou bien vous pouvez aussi nous envoyer vos petits textos, pardon, au 06 92 170 862, 06 92 170 862. Et puis évidemment, on a comme toujours, hein, tout le temps, hein, des petits cadeaux à vous offrir, notamment un séjour de 2 nuits au chalet Horizon Nature avec accès au jacuzzi. Donc pour remporter ce séjour, il vous suffit d'envoyer le mot chalet par SMS au 80 90. Le mot chalet par SMS au 80 90. Et puis, il y a aussi un séjour à l'hôtel à l'Amanda pour 2 personnes avec petit déjeuner inclus à remporter. Donc, pour cela, il vous suffit d'envoyer le mot à l'Amanda par SMS au 80 90. À l'Amanda par SMS au 80 90. Et puis, surtout, allez jeter un petit coup d'œil au règlement du jeu sur www.tropicalnight.re. T'es bon, les motivés ce soir? Pourquoi tu dis ça? D'habitude, tu commences comme ça, voyons. Oh là là. Allez, place nos invités de ce soir. Est-ce que Alan Cavé m'entend ce soir? Bon, Doff, il est là. Doff, ça va? Ouais, top, et toi? Ah ben, ça va, doucement, doucement, comme un dimanche soir, comme on va dire. Ouais. Alors, Alan Cavé, parce que il est du côté de New York, hein, il faut dire qu'il y a un décalage horaire également. Sacré décalage. Voilà. Là, il a désactivé son micro. Moi là. Ah, moi là, alors. Ah, ça y est, il est là. Il est là. Moi là, je suis là. Ah. Aïe, aïe, aïe. C'est pas pour date. Aïe, aïe, aïe. Bon. Ça démarre bien cette émission ce soir. Alors, le temps que Alan active sa caméra, d'ailleurs, Leslie, est-ce que tu connais la fameuse chanson ou pas du tout? C'est pas pour date. Ah oui. Bah oui. T'as j'ai envie de dire qui ne connaît pas cette chanson. Oui, qui ne connaît pas cette chanson? Ah, on a tous bien dansé dessus, hein. C'est clair. Bonsoir, Alan Cavé. Ça va? Ça va, super. Je me suis réveillé très tôt pour vous, hein, aujourd'hui. Ah bah écoute, il faut bien réveiller tôt. L'avenir appartient à ceux qui lèvent tôt. À ce qui paraît. Bon, en tout cas, bienvenue dans l'émission d'ailleurs. Bon, il y a un petit décalage avec Alan, mais c'est pas grave. On va y arriver ce soir. Alors, du coup, comment ça s'est passé la rencontre d'ailleurs avec Alan Cavé et Doff? Raconte-nous un petit peu. J'ai vu un link qu'il avait déjà entamé son remix de C'est pas pour date. Et j'ai tout de suite aimé et je voulais complimenter, hein. Et puis après quelques temps,
après avoir dit qu'il était très content que je valide le remix, il m'a dit si je pouvais sauter dessus. Et puis je lui ai dit pourquoi pas. Déjà, je mets la mélodie et le gars, il est sympa. Et notamment parce que la version, la première version en tout cas, c'était en quelle année cette première version? C'était, ça remonte très très loin. Bon, faut pas me vieillir, Hein hein. non, on te vieillit pas, on te vieillit pas. Voyons. À l'époque, à l'époque, Je à l'époque. plaisante. À l'époque, bon, c'est l'an 2000, hein. Ça fait 20 ans c'est pas peut-être à 20 ans maintenant. Ouais. Ouais, 20 ans. Et sur ce remix de C'est pas Poudate, il y a, y a, y a quand même y a des paroles qui changent. Ouais. Oui, en fait, c'est une version française. Ça, complètement, on a changé les paroles, hein. Oui. Except c'est pas Boudette. Et Dove, Dove, dans l'histoire, c'est ta parole, enfin tes paroles, bien évidemment, ça parle. Enfin, ça parle de quoi justement, ce nouveau remix? Ben, ça parle plutôt d'une rupture et de quelqu'un qui essaie de récupérer sa moitié, on va dire. Sans toi, je peux Ah, il est dans l'ambiance, lui. À midi, il est à quelle heure là? Il est quelle heure là-bas là, du coup? À midi 47? Midi 47, ouais. Ah. Bon, nous on est le soir, à 20h47. D'accord, donc il est très en forme à midi, hein. À midi. Il est toujours en forme. Toujours en forme, toujours en forme. Donc, remix qui est sorti quand J'ai d'ailleurs? Ouais. déjà eu mon petit, j'ai déjà eu mon jus de paix là. Ton jus de. Mon jus de paix, c'est mon père qui s'appelle ça. En fait, Ah. mon père, à chaque midi, il dit il est temps qu'on prenne un peu de jus de paix. Et son jus de paix, c'est du whisky. Ah oui, d'accord. À consommer avec modération quand même, hein. Voilà. Avec modération, Avec oui. modération quand même pour ce soir. Donc le remix, donc Ouais. qui est sorti quand d'ailleurs ce Qui est projet? sorti le 100 février, le 25 février. Juste après la Et Saint-Valentin, quoi. c'est ça, c'est ça. C'est ça. 2 jours de ma fête. C'est 2 jours avant ma fête. 2 jours après ta fête. C'est ça? 2 jours avant ma fête, Avant. je suis le 27. Ouais. Ouais. D'accord. Donc, fin Donc février. Fin c'était une février. bonne chose. C'était une bonne chose quand même cette sortie? Oui, enfin, Ouais. c'est sorti. Mais il faut savoir qu'on l'a sorti fin février, mais on a bossé dessus bien avant. Bien Ouais. avant. Bien avant. Moi, j'avais les premières paroles que j'ai écrites, mes premiers studios, dataient déjà du mois d'avril de l'an passé. Donc, on a mis presque un an, finalement, à sortir le morceau. Et comment Entre le... la démarche où moi, je lui ai proposé de faire le son avec moi, comme on a bossé dessus, on a mis un peu plus de 8 mois. Et comment le public a ressenti justement cette nouvelle version? Bah, c'est justement le public qui nous a poussés, hein. Franchement, moi au début, je me suis dit, ah, c'est quand même un gros classique pour s'attaquer à ça. Je ne sais pas si je vais vraiment le faire. Et j'ai eu tellement de messages, tellement de repartages de personnes qui tous les jours me disaient, quand est-ce que ta musique elle sort? Quand est-ce que le remix il sort? Que je me suis dit, en vérité, faut le faire, faut le faire. Et Alan Gavé, pour toi également, c'est un peu pareil? J'en vous entends très mal, mais oui, c'est un peu pareil, parce qu'on avait commencé à... En fait, il avait déjà commencé un challenge sur TikTok et que je partageais déjà sur mes réseaux à moi. Et c'est comme ça. Et puis ça a commencé à faire du bruit et les gens se demandaient quand est-ce que ça sortait. On a Il gardé faut jusqu'à la dire, fin il faut que le fil je... de la collaboration, on l'a gardé jusqu'à la fin. C'est vraiment quand le clip est sorti, enfin le morceau est sorti, que les gens ont vu que j'étais en featuring avec Alan Kavé. Donc ça a créé un petit événement sur le net, c'était incroyable.
C'est ça. Et d'après ce que j'ai vu également, là, il y a pas mal de personnes qui disent la version remix est très très bien. Ah. Je confirme. Eh ben ouais, ils ont vraiment une bonne équipe là-bas. Avec Dof, bien encadré, de très bons producteurs, et en tout cas moi j'aime beaucoup. Et ça fait déjà beaucoup de bruit sur les États-Unis, sur Haïti, et c'est super. Et qui a réalisé le clip d'ailleurs de... Alors, le clip a été réalisé par un ami à moi qui est réalisateur et qui a fait beaucoup de mes clips, qui s'appelle Dabo Kajima. Et faut savoir que ce clip-là, je l'aime beaucoup parce qu'il a été réalisé en 3 jours. C'est-à-dire que on a commencé à faire les préparatifs du clip seulement 3 jours avant. Et je trouve qu'on a eu un super résultat pour un clip qui a été fait dans le studio. Et les lieux du tournage également? Lieu de tournage, donc on a privatisé une super boîte sur Paris, Montparnasse. Donc une très grosse boîte ça, qui s'appelle le Red Light, très connue. Donc on a privatisé la boîte pendant une journée. On a fait venir des danseurs, des figurants, des décors. J'avais envie qu'on ressente un effet live. Donc il fallait des musiciens, il fallait des instruments, des belles lumières. Donc ça a été une très belle organisation, et on a réussi à faire un beau clip, et je suis fier de ce clip. Et en plus, moi, je parlais que c'était important pour moi parce que c'était le premier, enfin c'est le clip de C'est pas plus date, c'est la première fois qu'Alan Cavé il met un visage sur cette musique, parce qu'il a pas eu l'occasion de clipper l'original. Donc là, il fallait qu'on fasse quelque chose de beau, de bien. Donc je suis content pour avoir réalisé ça en 3 jours, c'était top. Il y a de quoi, parce que le clip est vraiment, vraiment très beau, je trouve. Ah, merci. Tu trouvais que j'étais beau? Ah, tu peux le dire. Merci, hein. Chérie. Merci, Doudou. Ça va délirer ce soir. On salue quand même Jenny, Jenny qui regarde la télé ce soir. Salut, Jenny, également. Allez, Salut, Jenny. Salut, Jenny. On est ensemble, Jenny dans la maison. Ah, Jenny dans la maison, c'est l'une de nos animatrices également. Ce que je propose d'ailleurs, c'est de regarder le clip et on revient juste après. C'est bon ? Ok. C'est bon ? Allez, à tout de suite. À toutes. J'ai qu'à présent, tu me détestes. Tu ne veux plus entendre mes promesses. Et si mes mots n'ont plus d'impact, ma chérie, laisse-moi des actes. C'est vrai que je t'ai menti, que je t'ai trahi. Depuis que t'es parti, je réalise. Plus la nuit, j'ai plus d'appétit. L'intérieur veut se nourrir. Sans toi, je fais que rêver de nous.
refuses de mourir. J'attends que le jour se lève pour te dire que je t'aime. J'attends que tu reviennes pour te chanter ce refrain. Tropical Night avec en invité Alan Cavé et Doff. Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio mais également sur ta télé. Allez, de retour sur Créole FM ce soir et Télé Créole. Ça va toujours Leslie? Ça va toujours, toujours, ça va toujours, Alan Cavé et Doff. Toujours. Nous la pirène. ça veut dire quoi? Nous sommes là pur. comment dire ça? Nous pas, c'est nous la pirène, like forever. Bon, je sais pas comment le dire. Je sais pas comment le dire. Bon, c'est pas grave. Très belle chanson à l'instant. Comment? Hein? Comment? T'as dit quoi, Alan? Il y a un décalage. Non, ça passe mal. Ah ouais, il y a un décalage. Ouais, c'est vrai que t'es loin, Alan. Hein. Allez, on continue d'ailleurs, Leslie, ouais. Les très belles chansons de, justement, de ce remix. Hein, Leslie? Oui, bah oui, hein, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de le dire. Moi, j'aime beaucoup. Est-ce que tu peux faire une petite reprise, Leslie? Parce qu'il faut dire que Leslie est chanteuse également. Hein. Il faut dire que Leslie est chanteuse également. Non, je suis chanteuse à mes heures perdues, mais c'est tout. On veut entendre les heures perdues. En fait, Leslie chérie doudou, vas-y. Ah, t'as vu comment Alan t'appelle là, c'est bien ça. Allez, on poursuit avec Doff. On revient dans un instant avec Alan Cavé, justement pour un petit peu plus en détail également. Doff, donc on va parler un petit peu de ta carrière, un petit peu en arrière quand même. T'as commencé à écrire tes textes et partager en quelle année avec tes amis? Franchement, 2011-2010, ouais. Oui. Et ta première scène qui démarre un an après, c'est ça? C'est ça. Où plus précisément? Alors, c'était dans ma ville où j'ai grandi, donc Les Ulis, 91. Oui. Département de l'Essonne. J'ai eu l'occasion de gagner un concours jeune talent et pour ça, on a du coup eu la chance de faire des premières parties d'artistes quand ces artistes-là venaient dans notre ville. Donc, à l'occasion, j'avais donc fait la première partie de Mokobé, à l'ancienne, et Monsieur Nov aussi. Ah. R&B très, très fort. Voilà. Donc, c'était mes premières scènes. Tes premières scènes, et du coup, pas trop stressé sur les premières scènes ou... J'étais terriblement stressé. Mal au ventre, en vomir. Qui n'est pas stressé pour une première scène? Non, je pense que avec le temps, quand on prend de l'expérience, ça oui, va. Oui, mais peu. La première, c'est compliqué. Ah, les premières, t'as envie de pleurer. Qu'est-ce que je fais là? Et après cette première scène, après les premières scènes, c'est bon, ça va. C'est... Après, tu prends plaisir et puis tu t'apprends, tu progresses. Et puis quand les gens commencent à te connaître, quand les gens connaissent tes paroles, tes chansons, alors là, c'est différent. Bah oui, c'est encore mieux. Ouais.
C'est ça. Et notamment sur les premières scènes, tu as chanté quatre titres notamment. Alors les premières scènes, c'était mes premiers sons que d'ailleurs j'ai mis hors ligne sur YouTube, donc vous les retrouverez pas. Ah. Parce que c'était mes premiers sons et bah forcément c'était pas forcément les meilleurs, mais à l'époque j'avais un son qui s'appelait Ton genre de mec, je finirai en solo. C'était mes premiers sons, donc c'est ces sons-là que je faisais. Et c'est bien plus tard que j'ai commencé à faire des sons qui sont récents comme Faut pas bouder, Reviens. Là, c'était différent. Et Faut pas bouder, justement, c'est le titre phare en 2020. En 2018-2019. Ouais. Et ça raconte quoi, cette chanson, d'ailleurs? Bah, ça parle de la faculté des femmes à bouder, parce qu'on vous connaît, les femmes. Il y en a une en bas, elles se souviennent de quoi je parle. Jamais, hein. Des grandes... Non, ça se voit, ça se voit. Donc voilà, c'est un son pour mettre à l'honneur ça et dire que voilà, même quand elles boudent, ben, on les aime et on a envie qu'elles boudent plus. Oh, mais c'est gentil quand on boude, c'est mignon. C'est pas... Il n'y a pas de violence, je veux dire, ça va, on fait que bouder. Et je disais aussi dans cette musique qu'il fallait... en gros, si tu veux, je te donne les codes de mon téléphone si tu as besoin. Si tu boudes parce que tu n'as pas confiance, je te donne tout ce que tu veux. Je te donne mes codes, tu peux fouiller mes réseaux sociaux. Donc, ça a parlé à beaucoup de jeunes. Ah... Il est malin. Ouais, hein, ça peut parler à beaucoup de jeunes, ouais. Il est malin. À beaucoup de moins jeunes aussi. Parce que Leslie, est-ce que dans une relation, t'es pour qu'on donne ses codes de son téléphone, non, de ses réseaux? Non. Non. Je vois pas l'intérêt, en fait. Ok. C'est soit on construit. Non, mais en fait, de bouleverser la voilà. Maison. C'est ça. En fait, c'est soit. Soit on a confiance complètement, soit on n'a pas confiance du tout. Et dans ce cas-là, on ne construit pas de relation parce qu'on sera toujours tenté à aller fouiller plus, toujours plus et encore plus. Et parfois, le moindre petit détail, ça peut créer une explosion, en fait, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Donc, non, je trouve ça malsain. Voilà. Voilà. Mais c'est mon avis. C'est la maturité qui parle, c'est bien. Oui, c'est peut-être ça. Et c'est qui parlait là? La maturité. Non, mais j'aime la logique. C'est bien, c'est gentil. C'est ça. J'aime bien ta logique. Merci. Forcément. Alors, est-ce que Dove peut faire une petite a cappella de justement Faut pas bouder, tiens? Bah oui, forcément. Non, faut pas bouder, bébé. Non, faut pas bouder, mon bébé. Non, faut pas bouder, mon bébé. Non, faut pas bouder, mon bébé. Donc, c'était ça. Et l'intro faisait Tu peux fouiller dans mon phone si ça te fait du bien. Tu peux te connecter sur Snap si ça te fait du bien. Je donnerai tous mes codes si ça te fait du bien. Mais non, faut pas bouder. Voilà, c'était ça. Ben voilà, Leslie. C'est pour toi. D'accord. Merci. Promis, je ne bouderai pas. Merci en tout cas. Donc, il y a aussi un clip sur ce titre-là également. C'est toujours la même personne qui a réalisé. Exactement, toujours le même. Travail formidable d'Apocadima. Et les lieux du tournage également. Lieux du tournage. Alors ça, c'était un peu plus simple. On a loué un Airbnb, ouais, pour toutes les scènes de maison. Et après, on a loué un hangar dans 95, d'à peu près, je crois, il y avait 500 mètres carrés. Et du coup, on a pu faire toutes les scènes sur des fonds de couleurs. Donc là, on avait choisi le fond orange et on a pu faire toutes les scènes là-bas. Ah, ça, c'est cool. On va regarder ça dans un instant, le clip. Notamment, il y avait une suite de clips également, notamment Parano, Mis à mort et Reviens, c'est ça? C'est ça. Donc, j'aime bien les histoires. J'avais fait une suite. Oui. Donc, on commence par dire, écoute, bébé, faut pas bouder. Si tu veux, je te donne mes codes.
Après, on lui dit, mais t'es parano. C'est exactement ce que je disais. Je sais pas, mais. Voilà. T'es fini par fouiller les parano. Et finalement, dans Mi Amor, je la trompe. Donc finalement, elle n'était pas si parano que ça dans l'histoire. J'adore l'histoire. Et une fois qu'elle est partie, et je lui demande de revenir, donc le chante revient. Voilà l'histoire. En fait, voilà, c'est l'histoire de Duff. La palme d'or. Et le titre, Kishta d'ailleurs. Alors Kishta, c'est un titre, j'ai pas l'habitude de faire des sons plutôt club, mais j'avais une envie de faire un son où je peux bouger, faire sauter les gens sur scène. Donc je recherchais ce genre d'instru, et quand j'ai trouvé l'instrumental, instantanément j'ai trouvé le refrain et j'ai eu envie de le faire. Et moi je fonctionne beaucoup à l'instinct, et je me suis dit j'aime bien, je le fais, j'y vais. Et puis ça a fonctionné. Après j'ai des amis aussi qui sont dans la musique aussi, et notamment Habitue-toi. Et du coup il a beaucoup aimé le son. Il m'a dit franchement moi j'ai envie de poser avec toi, j'ai envie d'être dessus. Et puis moi qui ai un peu plus de visibilité, si on le fait ensemble ça va t'aider et ça va faire péter le son vu que je suis beaucoup sur TikTok, et c'est ce qui s'est passé. T'as aussi enflammé une scène de mon festival aussi. Et ça, c'est ça. Donc, mon festival, scène qui est organisée tous les ans par la ville de Grigny et les animateurs aussi. Du coup, j'ai eu la chance de participer à ce festival et du coup, c'était lourd. C'était lourd. On regarde dans un instant le clip d'ailleurs pour faire un petit rappel de jeu, Leslie, avant de retrouver le clip de ce soir. Je sais pas, j'hésite. Faut pas bouder, hein. Je boude pas, promis. Non, faut pas bouder. Alors, les jeux de ce soir. Tout d'abord, on a un séjour de 2 nuits au chalet Horizon Nature avec accès au jacuzzi. Et pour tenter donc de remporter ce séjour, il vous suffit d'envoyer le mot chalet par SMS au 80 90. Chalet par SMS au 80 90. Et puis, on a également à vous offrir un petit séjour à l'hôtel Alamanda pour 2 personnes avec petit déjeuner inclus. Pour tenter de le remporter, il faut envoyer le mot Alamanda par SMS au 80 90. Alamanda par SMS au 80 90. Et puis surtout, n'oubliez pas d'aller jeter un petit coup d'œil au règlement du jeu sur www.tropicalnight.re. On regarde le clip, faut pas bouder, on revient avec Alan Cavé juste après. Allez, à tout de suite. À tout de suite. T'es ma moitié, personne à ta table, t'es déclassé. Pas besoin de me menacer, t'es ma priorité, t'es mon bébé. Et tu ne vois pas qu'ils nous jalousent, y'a que des envieux qui nous entourent. Je sais que parfois tu doutes, ne rentre pas dans leur jeu. Tu peux regarder mes DM si ça te fait du bien. Tu peux te connecter sur Snap si ça te fait du bien. Tu peux fouiller dans mon phone si ça te fait du bien. Ouais, je te donnerai tous mes codes si ça te fait du bien. Non, faut pas bouder. Non, faut pas bouder, mon bébé. Non, faut pas bouder. Non, faut pas bouder, mon bébé. 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 Faut pas bouder mon bébé, bébé. Non, faut pas bouder mon bébé. Non, faut pas bouder mon bébé. Et franchement, j'ai passé l'âge. J'en ai vu des femmes, j'ai tourné des pages. Je veux m'investir, qu'on emménage. Je veux qu'on soit sur la même longueur d'onde. Si je chante à l'eau, c'est que je sais nager. On saute pas dans le vide sans un parachute. Dis-moi quelle sera la chute. À vouloir avancer sans un but. Tu peux regarder mes DM si ça te fait du bien. Tu peux te connecter sur Snap si ça te fait du bien. Tu peux fouiller dans mon phone si ça te fait du bien.
pas. Ouais, je te donnerai tous mes codes si ça te fait du bien. Non, faut pas bouder. Non, faut pas bouder. Non, faut pas bouder, mon bébé. Non, faut pas bouder. Non, faut pas bouder. Non, faut pas bouder. Non, faut pas bouder, mon bébé. Non, faut pas bouder, mon bébé. Non, faut pas bouder. Non, faut pas bouder, mon bébé. Non, faut pas bouder, mon bébé. Non, faut pas bouder. Non, faut pas bouder, mon bébé. Non, faut pas bouder, mon bébé. Non, faut pas bouder, mon bébé. Faut pas bouder mon bébé, non, faut pas bouder mon bébé. Yeah, yeah, yeah. Lâchez-vous en direct avec Dany et toute son équipe. Tropical Night avec en invité Alan KV et Doff. Lâchez-vous en direct avec Dany et toute son équipe. Allez, de retour sur Créole FM ce soir et avec Leslie et aussi donc nos invités de ce soir. Ça va toujours ? Ça va toujours. Faut pas bouger, ça va toujours. Hein. Ça va toujours. Bon. Allez, place à Alain KV ce soir. Enfin, ce soir pour nous et midi. Tu veux. Ça va toujours. Il est dans l'ambiance, c'est cool. Donc, Alain KV, auteur, compositeur, quand même, ça fait combien, depuis combien de temps maintenant? Depuis déjà, je dirais, 30 ans. 30 ans, oui. Ouais, t'as un doute, hein. T'as un doute hein, sur. On a dit, faut pas parler de l'âge. Des années. Je sais, je sais. Je le taquine un peu quand même. Donc, quand même. 30 ans, allez, on va dire 30 ans. Et 25 ans. 25 ans. Moi, ça rajeunit. 20 ans. 25 ans. C'est ça beaucoup mieux. Ça rajeunit un petit peu quand même. Salué comme le roi de l'amour de Compas. Hein. Il faut dire ça comme ça. Oh oui, en fait, j'ai commencé avec Zin. Et c'était plutôt un groupe compas dur. Et quand j'ai voulu faire l'album solo, je me suis dit, bon, pourquoi faire un album. Compas, tu vois, de même genre que Zin. J'ai voulu faire une différence. Et c'est là que, bon, vu que j'aime beaucoup le zouk, et je suis influencé aussi par la musique américaine, d'autres genres, parce que mes parents aimaient bien les trucs, les chansonnettes françaises, les Jacques Brel, les Serge Gainsbourg, ce genre de trucs. Donc, j'étais plutôt influencé par plusieurs autres genres de musique. Et j'ai voulu faire un mélange de tout ça, de tout ce que j'avais chez moi. Et puis voilà, ça a donné l'album C'est pas pour date, qui a eu un succès international. Et voilà, c'est comme ça que je peux dire que je mets dans le titre de King of Compas Love. The King of le roi the... du Compas Love. Compas Love. On salue quand même le roi du Compas Love. Le roi du Compas Love. On salue quand même Nao sur la page Instagram également de l'émission également. Et n'hésitez pas à balancer vos petits messages également hein, au 0692 170 862. Notamment donc Zin, il y a une signification en particulier ou pas? Ça veut dire gossip, comment on dit gossip en français? Vous connaissez le mot gossip? Les ragots? Oui, voilà, les ragots, c'est ça. Les ragots, c'est ça. Les rumeurs. Oui, c'est les ça, ragots, ouais, les rumeurs. Ouais, les rumeurs, les ragots, rumeurs, ouais, c'est ça. Mais pour nous, c'est une autre explication, c'est des rumeurs intéressantes à l'oreille, à la musique et tout ça. ça veut dire donc ça alors. Et bon ragot. Et non, les Haïtiens, des fois, ils disent que
Ah, comme s'ils aiment quelque chose, ils disent, ah, ça sent zin, ça sent, c'est une bonne chose, tu sais, ça sent zin. Aussi, ils s'expriment comme ça avec le mot zin. Donc, on a trouvé ça intéressant. Moi, je n'avais pas trop aimé, hein, c'est surtout le maestro, le Ben Lidio, qui voulait appeler le groupe comme ça. Ben, j'étais résigné, moi, je suis résigné. Bah moi je vais faire mon, je, ouais, je vais faire monter un groupe là qui s'appelle Zin Zin Follower. Et that's Yeah. Je dis tout de suite, je ferai pas partie de ton groupe d'amis. Hein. Non, bah justement, c'est toi qui es leader du Ah groupe. non, 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 non. Non. Le groupe Zin Forever. Ah. Ah là là, on va reprendre tous les tubes de Duff. Notamment, faut pas Faut pas bouder. m'oublier aussi, hein. Ouais, mais on t'oublie pas. Allez, on rigole quand même un petit peu ce soir, mais bon, voilà, c'est pour la bonne cause. Notamment, combien d'albums justement t'as sorti, Alan? Une vingtaine. Une vingtaine. Ça te Une rajoute des vingtaine mélangée avec Zin, oui. Moi, je n'ai fait, je crois, 8 albums solo et. Mélangé avec Zin, j'ai à peu près une vingtaine. Une vingtaine. Bon, on va pas parler des 20 albums, mais celui des, allez, des 5 premières. Tu peux en parler rapidement les titres, enfin les titres des albums. Petite fort. Ouais, les titres forts. Au fait, c'était une condition d'avoir le Zin. J'avais une condition avec eux. De travailler avec eux sur une condition. On te voit plus, hein. Alors? Là, c'est bon. Ah, c'est bon. Ouais. Sur une condition, parce qu'au fait, j'étais pas le genre vraiment compas. Donc, ils m'ont proposé de faire partie du projet. Et puis, je leur ai dit, bon, j'aime bien le maestro. Il était très bon musicien, très bon producteur. Donc, je leur ai dit, on passe une condition. Donc après cet album-là, ce projet, j'aimerais bien entamer mon propre projet avec vous. Et c'était ça la condition. Et puis le premier morceau, Femme volée, ça a fait succès, un tabac extraordinaire tout de suite sur Haïti, même sur les Antilles. Et puis de là, on a dû faire un deuxième album parce que bon, c'était pas logique de faire un carré plus un. Donc, tout de suite après, 2 ans après, on a fait un clavier plus un. Et c'est là que j'ai fait des tubes comme Ma Rose, Nanana, Tout Petit, des tas de tubes qui ont marché. Et de là, je pense que j'ai vraiment, je me suis fait. On m'a connu du fait que j'avais l'album solo à côté et j'ai eu une distribution extérieure avec Aztec, non, Déclic sur la France, donc ça m'a beaucoup aidé. D'accord, il y a quand même des histoires derrière ces albums, hein, parce que bon, c'est vrai qu'il y a 20 albums, donc albums solo également, donc Non, avec il y en a beaucoup de... beaucoup, Oui, il y mais en a beaucoup, hein. dans le milieu haïtien, il faut un album à peu près chaque 2 ans. Sinon, les prestations live, ça baisse. Donc, il faut toujours renouveler chaque 2 ans un album. Ouais. Et là, ton dernier album, ça remonte à 2 ans, là, c'est ça? En 2020? Non, mon dernier album, c'est Timeless. C'est Timeless, ça remonte à 2017. 2017. 2017. Mais entre-temps, j'ai fait des tas de collaborations avec Jim Rama, avec Kai,
avec T-Vice, avec j'ai fait des tas, je fais toujours des collaborations. J'aide beaucoup les jeunes, enfin j'essaie de les aider au mieux que je puisse. Justement, en parlant des jeunes, tu as quand même une réelle connexion, hein, avec des jeunes d'aujourd'hui, et aussi des fans qui n'a surtout pas de limite d'âge. On va dire ça comme ça, hein. Et justement, tes réactions par rapport à ça, on dit souvent que la musique n'a pas de frontières. C'est tout à fait ça avec toi? C'est ça. Et moi, j'ai la chance vraiment d'avoir traversé des générations. Et je sais que t'as présent le fait que j'ai fait C'est pas pour date, l'album C'est pas pour date, ça a renouvelé, enfin. Ma carrière, c'est à redémarrer, je dirais. Et le fait que c'était assez moderne aussi. Et bon, les parents, je dirais que les parents des enfants, enfin, les fanatiques de Zin, ont toujours continué à jouer C'est pas pour d'être pour leurs enfants. Donc là, maintenant, si je joue toujours dans les boîtes de nuit pour une génération de 20 ans, 21 ans qui aime beaucoup C'est pas pour date, ou Chocolat, ou Please Baby, des morceaux qui sont très, très modernes, très, jusqu'à présent, qui passent en boîte constamment. Donc, voilà. Donc, je suis chanceux dans ce sens que d'avoir toujours cette génération avec moi. Et Leslie, t'as connu quelle chanson de Alan Cavé à part que C'est pas pour date? Moi, j'ai connu essentiellement celle-là. Et j'avais quel âge? J'avais 14 ou 15 ans. Ouais. Ça fait. Je crois, hein, ça fait. Tu n'as pas connu 365 jours de l'année. Alors, ça me dit quelque chose, mais c'est beaucoup plus vague. Alors que C'est pas pour date, ça reste vraiment frais dans la tête. Ouais, c'est... après, c'est peut-être parce que C'est pas pour date, on a continué à l'entendre encore et encore, même des années après. Donc, c'est peut-être pour ça aussi. C'est ça, oui. Mais du côté de l'Amérique, je veux dire que j'ai des morceaux comme Chocolat, des morceaux comme... Tu peux faire un Please Baby. Tu peux faire un petit acapella de chocolat. Ok. À quand quand elle sortit, si ouais moi la passer devant, et puis le sam crazy. Blâme la mouli meilleur dedans. Tellement ses yeux me disent waouh, waouh, waouh. La jambe moi femme bien campée comme ça. Tellement ses yeux me disent waouh, waouh, waouh. 100 000 gouttes en chocolat, choco choco, la la, pral manger en chocolat, choco choco, la la, pral manger en chocolat. Voilà, ça nous donne envie de manger des chocolats ce soir. Carrément. Carrément. J'en ai pas dans mon frigo. Quel dommage, hein. Il faut y en avoir pour le prochain groupe, donc Zin Forever, hein, Leslie. Hein. Ah là là là. Je prends note, Dani. Faut prendre note. Notamment, donc, tout à l'heure, tu parlais de Jim Rama aussi. Ouais, Jim Rama, c'est. En fait, j'ai fait des collaborations avec Tania Saint-Val, Angie. Jim Rama, Malavoie. Je ne sais pas si vous connaissez Malavoie. Non. Malavoie, c'est un groupe de la Martinique. Et justement, il faut que je vous dise aussi que je faisais le théâtre avant. Ah, et c'est pour avec ça. Mon père. Oui, je faisais le théâtre d'abord avec mon père. Et cette chanson, la personne que j'ai fait avec Malavoie, c'est à la Martinique que j'ai chanté cette chanson. Il y avait un musicien, Boulo Valco, qui se sentait pas bien. Donc, ils m'ont demandé de remplacer Boulo. Et c'est quand j'ai chanté cette chanson que je me suis dit, bon,
pourquoi pas, parce que tout le monde a aimé. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à chanter vraiment. Avec cette chanson Manavoi. Et je pense qu'Éric Basset, producteur d'Axe Aztec, m'a proposé de faire une reprise de la personne avec Manavoi. Donc, Manavoi, c'est gros, un gros groupe, hein, de noms. Donc ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière. Et notamment donc Jim Rama, parce qu'on revient quand même sur le titre, parce que dans un instant on va... Jim Rama, Jim Rama, c'est... En fait, il travaille en commun avec moi, avec quelqu'un, un producteur antillais qui s'appelle Thierry Delaney. Donc, il a travaillé sur des morceaux, J'ai besoin de toi, Can do this to me, comme ça. Il a travaillé sur plusieurs morceaux avec moi. C'est là que j'ai rencontré Jim Rama. Et qu'on a fait Mon seul regret et Parce que je t'aime. Ouais. Et notamment, donc ces deux titres-là, ça c'est fait quand d'ailleurs, la date de la sortie, ça remonte. Ça remonte, mais tu sais, il y a ce gars-là, vous connaissez, je sais pas que vous connaissez ce gars de l'Allemagne, qui fait des ravages, vous le connaissez? Qui fait de... Il y a ce gars en Allemagne qui fait beaucoup de ravages, vous le connaissez? Non. Bah, c'est possible, c'est peut-être possible. Si on a son nom, mais là, comme ça, je vois pas. Mais il s'appelle Alzheimer, je ne me souviens pas. Ah, il a l'humour. Hein. il a fait du théâtre. Il a fait... Tout s'explique, hein. Voilà. J'ai complètement oublié. Je me souviens pas de la date où c'est sorti. Et là, c'est bon, ça peut faire un rappel en mémoire. Est-ce que les artistes se souviennent toujours les dates des sorties? Bonne question. Non, mais bah... Je peux se souvenir des dates de sortie, hein. Franchement. C'est dur, hein. Ouais. C'est dur. Ouais, compliqué de c'est se souvenir dur, de tout. Dur, mais moi, j'en ai eu tellement, donc je m'en souviens pas. Alors, on va faire un challenge avec Alan Cavé. Donc, chaque sortie de chaque titre, tu recevras 100 euros ce soir. Oh là là. Non, je plaisante. Alors, du coup, les deux titres, donc, avec Jim Rama, donc, il y a eu aussi d'autres collaborations aussi également. Et côté scène d'ailleurs, parce que il me semble que tu avais fait une tournée en mois de mai aussi. J'ai fait quoi? Une tournée au niveau de la scène. Une tournée? Oui, une tournée. Tu as fait une tournée avant? En fait, moi, je tourne chaque week-end. Chaque week-end. Je suis tout. Chaque week-end, je suis toujours, je travaille toujours, j'ai toujours des trucs. Tu peux demander à Dof, je suis toujours en tournée. C'est ce que j'allais dire. Je sais pas de quelle tournée il parle, mais il y en a trop. Oui, franchement, non. Donc, en fait, je fais presque de tout maintenant. Je fais des concerts, je joue avec mon père. J'ai un truc avec mon père que je fais, c'est la poésie, la musique. Un truc assis. Et ensuite, je fais les mariages, je fais les anniversaires, je fais les boîtes de nuit, je fais les galas. Je suis vraiment, 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 vraiment. On est 23 là. C'est... Oui, j'ai des dates déjà prises pour 2023. Ah ouais, quand même. Le mois de juillet pour 2023, c'est déjà booké. Hein. Donc, il faut qu'on te réserve pour 2024 alors. Bon, c'est bon, on prévoit un mariage dans l'équipe. On te fait venir pour 2024. Et tu te maries?
Non. Avec les. Bah oui, ce sera le mariage de Dani, oui. C'est ça. Ouais, oui. C'est pas Poudat. Bon, allez. Ah, Leslie, Dani, mariage. Leslie, Dani. Non, non. Cacher des choses, hein. Collègue. Ah, voilà. Co-animateur. Le rire de Leslie est suspect. Voilà. Non, ça peut pas être suspect. Je suis déjà mariée. Oh, tu es déjà mariée. Oh. Eh ouais. Dommage pour toi, Dani. Ah là là. Bon, allez, on rigole quand même un peu ce soir. Alors, moi, ce que je propose d'ailleurs, c'est de regarder le clip. D'accord. Donc, avec le duo avec Jim Rama. On revient juste après. C'est bon? Pas de souci. Ok. Leslie, un petit rappel de jeu avant que je balance le clip. Et puis, on fait un petit rappel ce qui va se passer du côté de la discothèque Les Roches Noires juste après. Yes, alors on a des petites choses à vous offrir hein, ce soir comme d'habitude. Donc un petit séjour de 2 nuits au chalet Horizon Nature avec évidemment accès au jacuzzi. Donc pour tenter de le remporter, eh bien il vous suffit d'envoyer le mot chalet par SMS au 8090. Et puis nous avons également à vous offrir un séjour à l'hôtel Alamanda pour 2 personnes avec petit déjeuner inclus. Donc pour tenter votre chance, envoyez le mot Alamanda par SMS au 8090 et allez voir évidemment le règlement du jeu sur www.tropicalnight.re. Merci à tous. Et puis oui. Bah, tu veux pas que je te dise le petit truc de la fête des pères, là? Juste après le clip. Ah, d'accord, wow. Tu m'as coupé dans mon élan. Mais, allez, vas-y. Oui, juste après, allez, à tout de suite. La vie n'a pas de sens sans toi à mes côtés. Rien n'a plus d'importance, tu es celle qui me rend la vie plus belle. Autant abandonner, ne plus croire dans l'amour. Si tu ne reviens pas, sans toi je ne suis plus rien. T'aimer, la seule politique que j'ai c'est de t'aimer. Jour après jour, t'aimer, plus fort que tout, t'aimer encore plus fort. Pour toi je me battrai et j'irai jusqu'au bout. Tu es la seule qui compte, peut-être qu'un jour tu me reviendras. L'amour me rend plus fort. Tu es mon seul regret, chérie. Tu me rends si sensible. Jamais je rêve de toi. Tu restes mon seul amour. Dis-moi, non, c'est plus au été. Really, really,
Éternel, jusqu'au bout mon cœur tu seras fidèle.